grave. Une voix sensuelle. Ouais. Un physique de rêve. Oui, ça durcit, oui. Elle les fait tous craquer. Ah, ouais, ouais, ça monte là, ouais. C'est Pamela sur Skyrock. Ah, je t'ai même enculé. Il fallait bien que t'en gagnes une. Bon, ne chute pas, s'il te plaît. Non, mais ça va, je m'en fous quand même un peu plus, Marie. Il est tellement content. Alors, on pas non plus Guigui. On a reçu. C'est vrai, tu as raison. Guigui, il est ultra sensible du zizi. Ariane, c'est mon côté très kinky. Non, mais est-ce que tu bandes pour un rien? Bah là, tu vois, je te regarde et. Oui, bah et, ça, oui. Et là, je vais pas te mentir que. Ça, je peux comprendre. Eh bien, Guigui, j'ai de quoi te faire bander. Regarde Marie, ça va redescendre. Ah ouais, ça s'est calmé là. Connard. Donc j'avais Ludovic. Ludovic qui était de beat. Ouais. Mais par contre, là, j'ai des vrais beats. Ah, alors vas-y, monte parce que c'est toujours un sketch. La beat de Biversa qui reçoit. Voilà. Biversa. Hein? Mais c'est tout droit, c'est tout bizarre. Ah, c'est une beat droite, Marie. Oui, pourquoi? Attends, et vu la taille de son pouce et son gland à la taille de son pouce. Oui, il a une petite beat. Voilà. C'est marrant, il y a pas une grande bite, c'est une petite bite. Non mais le gland c'est... Ouais, c'est vrai, il a pas... Une bite dans la pénombre, célibataire 59. C'est la bite de l'ombre. La bite de l'ombre. La bite de l'ombre. Par contre, lui, il a une grosse bite. Ah ouais, tu vois, plus ce que je disais hier... Pas énorme non plus, mais il y a une grosse bite. Non mais elle est large et pas très longue. On a qui? Sunlight X. Lui aussi. Les mecs n'envoient que des photos de bites, c'est un truc de ouf. Il y a Claude qui nous envoie sa tête de bite, mais... On a également... Sourcier. Les sourciers. Sourcier. Ah, mais on l'avait pas déjà eu, sourcier? C'est possible, ouais. Ah, je suis sûr qu'on l'a déjà appelé, lui. Mais lui, il a un mini gland. Il rôde les pervers. Rien n'est le gland qu'il a. C'est un champignon, oh, bordel. Un champignon. Il a un gland tout écrabouillé. Non, mais en fait, il a. Ouais, le tube est assez gros et ça se. Mais il décalote à mort, en fait. Ah, ouais, ouais. Et non, mais le gland est minuscule. Et puis, en fait. Ouais, ouais, mais c'est vrai qu'il a, on dirait qu'il a un demi-gland. C'est bizarre. Ouais. Ah oui, il a un demi-gland, c'est ça, ouais. En fait, c'est comme si le gland était coupé en deux. Non, mais lui, on l'a déjà eu, sourcier, ouais, parce que même on avait traqué sur le pseudo déjà. Lui, alors lui. Après, c'est peut-être un autre mec qui a pseudo, ouais. Mais. Putain, mais ils ont tous des petites bites aujourd'hui. Il y a Axel qui envoie ça. C'est-à-dire que les mecs envoient quand même des photos de leur bite. Alors l'autre, il est vautré sur son lit et il bande. Classe. Et les toutes petites, je regarde. Elle est toute petite. Elle est toute petite. Elle est où, sa tub? Elle est là, ici. Ouais. Ouais, ah ouais, elle est très grand, mais bon. Tu la vois même pas. Non, non, mais attends, tu rigoles, Marie, mais moi j'ai une bite plus grosse. Mais je pense que c'est plus gros que Guigui. Hein. Ah, bah tiens, je te confirme. Guigui, une balle perdue. Une balle perdue, toi, ça arrive dans la gueule, t'as rien demandé. Guigui, mais... Non, mais j'espère pas, Guigui, parce que là, tu me ferais de la peine. Moi, je trouve qu'il a un gros sexe. Ah, bah tu vois, regarde. Ah, bah tu vois. Bon, alors, j'en ai d'autres, mais on va quand c'est même pas. C'est vrai qu'il est parti se masturber, il fait quoi? Ouais, directement. Il a disparu du studio. Putain, mais on a reçu combien? On a reçu 20 bites au moins. C'est un truc de ouf. Fais voir le gros beauf avec ses lunettes là. Le gros beauf. Il est pas mal lui. Et son Marcel jaune fluo. C'est papy, c'est quoi, papa, c'est coquin. C'est papa coquin. Fait flipper déjà le premier. Et son gilet jaune. Mais non, mais c'est. Le mec il a un Marcel jaune fluo. Attends, il est sur la plage, il est où? Il a un Marcel jaune fluo. Des lunettes. On dirait qu'il a le truc qui fait pour les voitures. Ah, franchement, le mec, tu le mets dans camping, il fait pas tâche. Ah ouais, il est bien lui. Vas-y, tu l'as lui? Ouais, vas-y, tu peux essayer. Papa coquin. Tu l'as sur la feuille que je t'ai donnée. Ok, bah c'est bon. 06. C'est bon. Ouais, c'est bon. Le look du gars. S'il répond pas, après on fait Dylan. J'espère qu'il est habillé comme sur la photo. Ah ouais. Il a envoyé sa bite, Dylan? Ouais. C'est incroyable son bite. Il est où? Ah, Dylan. Ouais, c'est lui. Il a une bite monstrueuse lui. Allô? Je vais voir. Non, mais il a une bite. Il décalote pas, mais tu vois le gland sous la peau de la bite. Oui, il a phimosis, lui. Il a. Ouais, il répond pas, lui. Qui? Là, le. Papa coquin. Papa coquin, ouais, ouais. C'est dommage. Un autre. Oh là, on peut appeler papa pingouin. Ouais, bah. Allô? Allô? Oui, tu m'entends? Ouais. Ouais, comment tu vas? Ouais, toi. C'est Dylan? Ouais. Ouais, t'es en train de te branler, toi? Non. Oh, menteur. C'est pas grave, j'ai envie de me toucher, moi. Ah. Dylan? Ouais. Ah, parle bien dans le téléphone, je t'entends mal. Ah. Dylan? 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 Allô? Dylan, je t'entends plus. Dylan, tu es complètement con ou pas? Non, mais il se tape une queue. Dylan! Il est en train de se taper une queue. T'imagines la galère, le mec? Déjà, le mec, il a pas, je pense qu'il n'y a pas un appel, mais oui. Le mec, il en reçoit un, il le foire. C'est vie de merde jusqu'au bout, quoi. C'est... Voilà, et bite de merde aussi, hein, parce que. On appelle un autre. T'appelles qui? Ou alors, il était avec sa femme, on nous dit. Ouais. Ah, peut-être. J'aurais l'arrivée, tu sais, elle l'a entendu parler. Le mec, il a touché le téléphone. L'autre, il a rangé sa bite sous la couette. Alors, qui c'est qu'on appelle? On le sait. Oui,
mon essai, oui, Marie. Merci de cette précision. Ça, c'est, vous êtes bien là. Allô? 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 Oui, bonsoir, c'est Pamela, l'appareil. C'est Julien? Il vient de raccrocher, l'enfoiré. Putain. Oui, allô? Vas-y, essaye de le rappeler. Non, mais je le rappelle parce que je pense qu'il a fait une fausse manip. Il est peut-être trop ému. Allô? Messagerie Orange, putain, bonjour. Putain, connard. Eh, Pamela, doucement. Hein. C'est que... Là, c'était Romano, là. Ah, pardon, excuse-moi. Même moi, je confonds tout le monde, là. C'est que, je pense à... Attends. Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir, c'est Pamela. Oui. Ouais, je t'appelais, j'ai envie de passer un petit moment avec toi au téléphone. C'est Laurent? Ouais. Ouais, j'ai envie de me caresser, là. Ah bon? Ah. Oui, mais... Ah. Vas-y, dis-donc, dépêche-toi, parce que j'étais avec quelqu'un. Ah ouais, t'étais avec qui? Avec une amie. Ah, parle bien dans le téléphone. Si tu veux, hein, on fait ça vite, hein. Ah. Ah. Laurent? Oui? Ah, dis-moi des choses, cochonne. Attends, elle me suce. Ah, vas-y. Ah, vas-y. Ah. Attends, elle est en train de me sucer. Ah, qui, ton ami? Oui. Ah, mais ok. Ah. Moi, je me caresse, là, au téléphone, alors. Ouais, ah. Attends, mais je me rappellerai une autre fois, là, parce que là, c'est trop chaud, là. Oui, bah oui, là, c'est chaud, là, c'est, j'imagine. Bah, baisse ton radiateur. Eh, le mec, c'est tout dans sa tête. Oh, non, non, il se met la très bien. Je suis en train de me faire un méchant. Okay, ouais. Le mec est débordé, t'sais. Elle me suce. Oh là là, je suis obligé de raccrocher. Non, parce t'imagines que la percherie de ces mecs. C'est vraiment trop chaud. La percherie. Non, mais le mec est complètement perché. Oh là, elle me suce. Oh, c'est trop chaud. Bon, et on en fait vite un dernier parce qu'il est minuit et quart. J'avais pas vu l'heure, mais on va vite laisser la place à Fred et à la nocturne. Le mec, chaque copine, là. Elle me suce le vire. Ouais, je te jure. Allez, vite, un dernier. Le mec, il y croit, hein, je pense. Non, hein. Mais il était à fond dedans, là. Tu sais qu'il a peut-être giclé, là. Ah, ouais, c'est rapide. Cette messagerie n'accepte pas de message. Ah, bah, c'est bien con. Ah, c'est bien dommage. On fera plus long la semaine prochaine. Ouais. Allez, la semaine prochaine, Pamela sera de retour. Vendredi soir, on garde les numéros. Allez, vas-y, on les met de côté. Allez. Oui, Cédric, ne vole pas les numéros. Les. Non, je laisse, t'inquiète pas, je laisse du full. Et les photos non plus, on est obligé de les garder pour la semaine prochaine. Je te laisse pour ce week-end, t'inquiète. Voilà, semaine prochaine. Ah, bah, il y en a qui vont s'amuser ce vendredi, week-end, le retour. Le retour de Pamela, on vous embrasse et on vous donne rendez-vous lundi soir, 21h pour la Radio Libre.